Étienne, Symphorien, Kalala, Banandaï. Café du peuple, RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino, Banso. Wanagua Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Yanini Ote. Banabetu, Basuwe, Moyoweno, Bonso. Bampangi ya Mounou ya Luzolo, Bampangi ya Vincent, Mbote na Benou, yonso. Ana, Lengo, Moyanyo, Tché. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, nous avons encore trois sujets que nous allons commenter. Sujet à Liboso et Zali. Menace de dissolution de la coalition. Bandeko, y a eu des pesses. Bakomi Mukanda na presse. Balobiété. Soki Bameki Kolongo la premier vice-président du Parlement et cause à la fin y a coalition FCC cash Yangwana Bisoto Bakisi fin y a coalition FCC cash obligatoirement ezali dissolution du Parlement. Pourquoi? Parce que Bandeko ya cash, Bakolinga tebatika FCC, na situation à cohabitation, c'est-à-dire Bakozwa primature na tous les ministères. Ce qui n'est pas faisable, ce qui n'est pas acceptable ni par le peuple, ni par Bandeko ya cash. Après, nous allons faire des commentaires sur la fin de la récréation de la Zambie qui nous avait pris des portions de terre dans notre pays. Les FARDC ont été déployés partout sur toute la frontière zambienne et congolaise qui nous sépare. Voilà. Y compris même dans tous les villages. Même ces villages-là que eux-mêmes les Zambiens avaient occupés. Et nous terminerons par la présidence qui se vide, notamment par ce départ spectaculaire du conseiller Vidié Chimanga, qu'on voyait un peu partout aussi. Voilà. Eh bien, concernant la dissolution du Parlement, nous avons eu cette information dans un média que nous allons lire ensemble avec vous. Il y a le président de l'UDPS, qui écrit une lettre à la presse, qui prépare déjà la presse, que si le premier vice-président du Parlement est destitué, alors ce sera la fin de la coalition FCC-CACH. Parce que, bon, Vital Kamerhe est en prison, mais la présidence du CACH est assurée par le parti majoritaire, c'est-à-dire par Jean-Marc Kabound, c'est lui le président aussi du CACH. Et le président du FCC, le coordonnateur du FCC, c'est Némi Mouilagne. Et le coordonnateur du CACH, c'est Jean-Marc Kabound. Voilà, chers compatriotes. Et c'est lui.
bisotolingi dissolution du Parlement. Donc, bakabouananan, ce qui bakabouan, est-ce que ma bonde va passer à l'acte? Bamoni danger anate, je ne sais pas. Est-ce que Jeannine Mabunda va passer à l'acte? Parce qu'il y a plus de 50 signatures. Donc, la pétition va passer. Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Ça, c'est sûr et certain. Si le vice-président, le premier vice-président est destitué, c'est déjà une crise créée. Et tant que cette crise-là sera créée, je pense que ce sera la fin de la coalition. Et si fin de la coalition il y a, le président de la République sera contraint, parce que déjà, depuis plusieurs mois, le peuple congolais fait pression sur le président Félix Tshisekedi pour qu'il dissolve le Parlement. Parce que ces députés-là fabriqués par le FCC ne sont pas des députés. Hein. C'est des gens nommés. Hein. Voilà, la vérité, il faut la dire. Hein. Et il y a eu beaucoup de corruption, même parmi, pour que ces sénateurs-là soient élus. Il y a eu beaucoup de corruption. Donc c'est tout ce que nous attendons. Lisons un peu le média en question. Bandeko Babolingo, Tokoti Nanzela Sikoyo ya dissolution ya parlement. Denge 7 sur 7.cd. Bakomi Awa. Basengi destitution. Ya. Premier vice-président du Parlement, Jean-Marc Kabound. Bangopé na ba média monsus tomoni bakomi. Présidence de l'UDPS. Boye bakesoki bolongoli. Premier vice-président, c'est-à-dire coalition et koufi. Soki coalition et koufi wana et koza la dissolution du Parlement. Lisons. Politique. Pétition contre Kabound. La NGT met en garde Jean-Jacques Mamba du MLC hein, et ses complices qui veulent provoquer une crise politique et institutionnelle. Dans une déclaration ce jeudi 14 mai 2020, la nouvelle génération Tshisekedi, hein, NGT, Nouvelle génération Tshisekedi se dit indignée par la démarche aliénée du député national du MLC, Jean-Jacques Mamba, visant à obtenir la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Destitution de Kabound, Jean-Jacques Mamba affirme qu'un député cache a signé sa pétition. Ah mon Dieu! Le député national Jean-Jacques Mamba du mouvement de libération du Congo MLC a annoncé ce jeudi 14 mai 2020 via Twitter qu'un élu du Cap pour le changement, Cash, a signé sa pétition qui vise la destitution de Jean-Marc Kabound du bureau de l'Assemblée nationale. Là, il faut soupçonner du côté de ceux qui sont en conflit avec Jean-Marc Kabound, peut-être. Cependant, l'élu du Mont en bas n'a pas révélé l'identité de ce député national de Cash qui a apporté son soutien à son initiative qui, dit-il, a déjà réuni 62 signatures. Mais Ndeko a eu des personnes à éviter que Jean-Marc Kabound soit président. Donc, il est à coquille, Kosenga, séparation. Hein. Il est président de l'UDPS. Hein.
Pétition contre Kabonde, le secrétaire national du MLC, Yves Kitumba, soutient la démarche de Jean-Jacques Mamba. Ouais, c'est normal, ils sont du même parti. RDC, la destitution de Kabonde sera la fin de la coalition FCC-CACH, prévient l'UDPS. Dans un communiqué de presse daté du 14 mai 2020 et parvenu à la rédaction de 7sur7.cd, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, via son porte-parole ad interim, dit suivre avec attention la pétition initiée contre Jean-Marc Kabonde, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim du parti. À en croire Simon-Adrien Kalenga, cette initiative est l'œuvre du Front commun pour le Congo qui, dit-il, utilise de prêts visages. Ah oui, le prêt visage, c'est Jean-Jacques Mamba du MLC. Pour dire plus tard que non, ce n'est pas le FCC qui a initié la pétition pour s'attaquer à la présence de Jean-Marc Kabonde au bureau de l'Assemblée. Voilà, nous sommes sur le chemin de la dissolution du Parlement, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est même réclamé par la jeunesse de l'UDPS, hein, qui appelle le groupe parlementaire CACH à retirer sa confiance à Mabunda, accusé de concocter la destitution de Kabonde. La Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social est montée au créneau ce jeudi 14 mai 2020 pour fustiger la pétition initiée par le député national Jean-Jacques Mamba contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabonde. Ah oui, on peut penser que c'est Jeanine Mabunda qui tire les ficelles, parce que sur 62 députés, il y a 57 députés du FCC qui ont signé la pétition. Donc, pour la jeunesse du parti présidentiel, cette initiative est une première étape d'une vaste machination concoctée dans le cabinet de Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui utilise le député de l'opposition Jean-Jacques Mamba comme bouc émissaire. Ah, chers compatriotes, le FCC aura cherché tous les moyens de pouvoir en découdre avec Fatshi et les siens. Eh oui, chers compatriotes, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est chaud, très chaud même. Regardez Jean-Marc Kabonde là, avec un air... Un air renfrogné, là, il boude, là, il n'est pas content. Le premier vice-président à côté de la présidente de l'Assemblée. Et voilà, on verra bien ce qui va se passer. Mais le problème, c'est que le peuple congolais, la majorité, nous attendons la dissolution du Parlement. Voilà. Sikoyo tolekana likambo ya bazambien. Bazambien bayaki epana biso po babuto la biso mabele. Ezambala ya liboso te. Babanda kosala likambo na banda kala. Me yambaloyo. Bakangi ba munoko. Donc c'est terminé la récréation. Ce qui va meki torokota ti et pas na bango. Parce que nous sommes la 8e armée. Je pense nous étions à la 9e. Nous sommes déjà passés à la 8e. Hein? Oui, peut-être. Je ne me souviens plus, mais
Nous devons être la 8e armée africaine la plus puissante. Donc, Batwana, il faut tokota ti pa na bango. Parce que biso tous ali 100 millions, ben on va ça combien? C'est pas sérieux, hein? Ce que les Anviens là nous ont fait, toujours dans ces environs-là, ces territoires-là de Puerto Moba. Yambaloyo, président de la République, le commandant suprême de l'armée, donc la bas village, c'est la frontière, voilà. Donc, bah, côté ici, bah, fardessé, tout le long de la frontière avec la Zambie. Bah, fardessé, bah, côté, voilà, bavanda. D'une façon durable, c'est ça que nous souhaitons que le président de la République maintienne. Donc, nous allons lire les détails de cette information ensemble avec vous, chers compatriotes. Terminé, la récréation est terminée. Les FARDC mettent la Zambie en échec, chers compatriotes, comme nous pouvons le lire sur radioocapi.net. Bazambien, Balinga Kiba Botola, Bamabele Nabiso, Nakati ya Congo na frontière Oyo, Zali Kokabola, province ya Tanganyika, na Zambie. Donc, Mokonzi Yamboka a déployé FARDC sur toutes les frontières extérieures de Tanganyika, comme on peut le lire ici sur Radio Okapi.net. Tanganyika, les FARDC se déploient dans toutes les localités frontalières avec la Zambie. Momoni, chers compatriotes, nous sommes quand même la 8e armée la plus puissante d'Afrique. Donc, nous sommes en 8e position. Et la Zambie ne figure même pas sur cette liste. Donc, qu'ils ne se moquent pas de nous. Nous sommes presque 100 millions. Voilà. La récréation est terminée avec la Zambie. Totanga, information Bandeko. Voilà. L'administrateur du territoire de Moba dans la province du Tanganyika, Didier Mumbere, a affirmé mercredi 13 mai que les FARDC semblent avoir opté cette fois pour une présence dans toutes les localités frontalières avec la Zambie. La bas village Lyon surtout. Depuis le début de leur déploiement au mois d'avril 2020, les FARDC continuent de prendre position dans la quasi-totalité des villages frontaliers avec la Zambie. Nous sommes en train de déployer des militaires, renforcer la sécurité totale au niveau de nos limites frontalières congolaises et zambiennes. Déployer les militaires au niveau de Moliro et à Kalubamba, oui, à Libondwe, à Kibanga, voire même à Kapingu, à Mwangi et à Musosa, voire même Kabondwe du côté de Pweto. Que notre population ne puisse pas vivre avec la peur au ventre, a indiqué Didier Mumbere. Au-delà du groupement de Moliro, les FARDC se déploient tout le long de la frontière avec la Zambie, y compris le village Kapingu qui avait également été envahi par les forces de sécurité zambiennes en 2007. Par ailleurs, certaines sources annoncent que les unités déployées proviennent essentiellement de l'unité de réaction rapide de la 22e brigade ainsi que du 22e groupement naval. Vous voyez, les plus puissants, hein? Voilà, chers compatriotes.
La récréation est terminée. Voilà, nous ne pouvons que féliciter le président de la République, parce que c'est lui le commandant suprême de l'armée, d'avoir opté pour cette solution. Et nous espérons qu'elle soit permanente, parce que les zombies ont essayé plusieurs fois de nous envahir. Voilà. Ah, Bandeko, président de la République, à Bandeko nettoyé, présidence de la République. À Bandeko nettoyé, Yango, donc Vital Kamerhe, accueilli, a nommé Dirkaba. Oyazaraki Dirkaba et Vital Kamerhe, a commis Sikoyo, directeur du cabinet full, mais ad interim. Ça veut dire que na Mikolo Yekoya, ou bien na Basanzo Yekoya, a nommé directeur du cabinet définitif. Et Koki Kozala peut-être yé, parce que na Ebandeli, et Zalaka Yende, Zalaka directeur du cabinet. Donc Vital Kamerhe Yemoko Ayaka ko se faufilé. Voilà, ça c'est quoi? Voilà, chers compatriotes, la compte du terre, Yavidi et Chimanga, Azali Kola Kisaye était Azali Lissousou, conseiller du président Félix en matière de stratégie. Azali Koyebsaye Bissou était Justice et qu'on bengisaye na mikolo et koya et puis yepe yemoko a insisté que il faut justice et salema et puis justice et zala justice y a état de droit et zala justice équitable. Mais ce qui a zolo ba justice équitable est-ce qu'azali ko banga quelque chose? Je ne sais pas. Est-il que le président de la République a tikali vraiment Tikali Minoré, est-ce qu'on dit Minoré pour lui? Parce que, bah, conseiller Beleva Koufi, donc Tata Lekinaye à Koufi, tout ça, c'est pour ça que Tolobagna, après la vidéo précédente, que la présidence est vide. Oui, mais d'autre part aussi, de cette façon-là, il est en train de se débarrasser de tout premier conseiller qui l'ont induit en erreur. Et maintenant, ils vont avoir affaire avec la justice. Et puis, si quand nous allons lire ce tweet-là de Vidi et Chimanga, vous allez remarquer qu'il fait comprendre qu'il n'est pas seul. Il dit que ces détracteurs, ceux qui ont fait que l'on parvienne à cette situation, ils l'ont accusé, on l'a mis de côté. Mais eux-mêmes aussi, ils ont fait la même chose que Vidi et Chimanga. C'est ça qu'il dit. Et ils réclament justice. Voilà, chers compatriotes, Bandeko Tokotanga, Tokotanga, mais Ekomamina français. Donc, ceux qui Tokotimo Mokoya moi, difficile, bon, tout comme il a expliqué en gros, que l'imbola en gros, non, il y a une compréhension. Voilà. On y va. Chers compatriotes, bon, moi, je suis dans la vidéo, la vidéo, je suis publié qui, donc, je suis dans la présidence, je suis dans la vidéo. Donc, je suis dans la vidéo. Ça veut dire, bah, conseiller Monsou Basali Kokoufa, bah, Monsou Yabomoineti Vidi et Chimanga, président Azali Kobali Bango Azaye mon côté. Donc, bah, comme yango na politico.cd,
Donc, mon akina tweet, na tuter na ye, le profil tuter de vidie, ye mon kwa komaki, ma kambo ye a komaki wana ila kisike azali sous conseiller te, to ye ko confirmé yango le 14, to ye a komaki yango le 13, ba confirmé na présidence ke ye azali sous conseiller a président te. Mais ma kambo ye moko a komi e la kisye te ba ko benga ye na justice. Mikolo ye koya. Bon, to tanga si koyo. A une, c'est même à la une de politico.cd. Présidence, un petit vide sur le profil Twitter de Vidiye Chimanga, révélateur de toute une histoire. C'était le 13 mai 2020. Yoana Vidiye Chimanga, Boyebi est très bien. Un conseiller assez principal, dans les principaux, hein, du président de la République. Et voilà, il est parti. Hein. Et il paraît que dans la diaspora, il fut ami très proche de Félix Tshisekedi. Et voilà. Félix Tshisekedi, comme il le dit toujours, cause à la mastanangai, mais ceux qui au salimbe ba au salia, la justice ba au kangayo. Hein. Donc voilà où nous en sommes. La fonction de conseiller stratégique du président de la République, Félix Tshisekedi, en matière stratégique, a disparu depuis peu du profil du compte tuteur de Vidiye Chimanga, suscitant ainsi la curiosité populaire en ce moment où une pluie de mandats de comparution s'abat sur plusieurs personnes liées au programme d'urgence des 100 jours. Comme Akangoli Soussoutet, qui est conseiller stratégique du président de la République. Donc, Azali Soussoutet, c'est très clair. Loin d'être anodine, cette disparition est un détail de taille que le concerné explique en métaphore depuis 2 jours. D'abord, ce tweet du 12 mai, qui est passé presque inaperçu, dans lequel Vidiye Chimanga dit, sans dire que sa tête est offerte à la justice pour satisfaire la clameur populaire. Donc, tweet naïe angwanazo komango, ce qui n'a parabole, ce qui n'a nini. Nabamo. Bah, mot difficile, tout ça, mais on peut comprendre ça. Awa, par exemple, a commis la mise à mort, ce spectacle jouissif pour voyeurs hypocrites. Pas de compassion, pas d'empathie, juste un désir pervers de voir et se satisfaire de la chute de l'autre. Désir de justice. Ou pulsion primaire primate, les cœurs sont noirs, mais que justice triomphe. Ensuite, toute une explication qui laisse transparaître le manque de paix du président de Daring Club Motema Pembe, apparemment en train de redouter une convocation de la justice à la grande indifférence de ses proches. Collaborateurs avec lesquels il aurait mangé dans la même assiette, il aurait commis les mêmes faits qui lui seraient reprochés. Il écrit encore « La vindicte populaire n'est pas la justice ». Traduction de mon tweet. Il explique lui-même son tweet. Ma conclusion est sans équivoque que justice triomphe. La justice doit être dite et ce, sans état d'âme, car la justice se doit d'être impartiale. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi, c'est ça que ça veut dire, c'est du latin, c'est facile à comprendre. Dura lex, sed lex. 2. L'introduction, la mise à mort. Ce spectacle jouissif pour voyeurs hypocrites. Nombreux sont ceux qui se plaisent du malheur d'autrui, alors qu'eux-mêmes sont coupables des mêmes faits. Si pas pire, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parole divine, 3, le corps.
première partie. Qu'est-ce qu'il dit? Pas de compassion, pas d'empathie, juste un désir pervers de voir et se satisfaire de la suite de l'autre. Il explique, la justice se doit d'être sans état d'âme, mais l'homme se doit d'être humain. Si l'homme ne connaît pas la présomption d'innocence, principe fondamental de droit, un procès ne peut pas être équitable. Voilà, il continue à expliquer. Il termine par dire, les cœurs sont noirs, mais après tant d'années de souffrance et d'injustice, les cœurs se sont durcis. La paix et la gentillesse qui caractérisaient le peuple congolais se transforment petit à petit en haine et vengeance. Et voilà. Voilà. Il n'est plus conseiller à la présidence. Vous vous souvenez, chers compatriotes, nous avons précédemment publié qu'il y avait eu des dénonciations, des informations que nous avions eues de Vidi et Chimanga, qu'il avait acheté plein de maisons, qu'il s'était même tapé l'ex de Olivier Kamita, tout, et tout ça. Personne n'avait contesté. Et voilà, nous en sommes aujourd'hui, où nous en sommes. Il s'attend à ce qu'il soit interpellé par la justice. Voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutika la malamou, benobi kalambote. Wandu guapenzi, tu la malisa, tu taonana. Kesho, pampangi amono yaluzoro. Benobi kalambote, betu tamalana, mbasi. Voilà, mais tu vas suivre. Chalai bip, ni tout mon an. Tu connais beaucoup de vidéos. Moukwabu. Anna Lingo Amboshila.